Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I came up, same stuff, never changed up. Taking shots, get your aim up. Wanna play, get your game up. And I see you hating, so you know I gotta act. Hey yo les gens, c'est Skrivok, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va tranquille. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Vidéo assez particulière puisqu'aujourd'hui sur le gameplay vous allez voir que le jeu est à l'envers. Donc je vous en dis pas plus, je vous invite à lâcher un like si cette vidéo vous plaît. Puis je tenais quand même un petit peu à m'excuser puisque dans le gameplay il y a pas mal de moments où je bégaye un peu puisque je me concentre et j'essaie de parler en même temps. Du coup ça donne quelque chose de pas terrible. Mais c'était déjà la troisième fois que je recommençais cette vidéo puisque je tombais dans des games soit commencés soit contre des mecs forts. Donc j'ai vraiment pas envie de recommencer une quatrième fois. Et puis cette game voilà elle est pas non plus complètement merdique. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et puis je vous souhaite un bon visionnage. Là, c'est parti, on va jouer à la Vesper. Oh putain, il y a l'air d'avoir un petit tryhard. Donc comme vous pouvez voir à l'écran les gars, on est à l'envers. Et c'est quelque chose qui fait plutôt chelou, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur Black Ops 3. Même sur YouTube, j'ai pas vu beaucoup de gens faire ce type de vidéo. Je dis pas que c'est une innovation de ouf, hein, c'est pas... J'ai rien inventé clairement. Mais j'ai pensé que ça pouvait être sympa de vous proposer un gameplay comme ça en fait. Et alors vous allez sûrement vous demander... Comment je fais pour faire ça, si c'est un paramètre dans la PS4, si c'est un paramètre sur Black Ops 3. Rien à voir de tout ça. C'est tout simplement grâce à XSplit, donc qui est tout simplement le logiciel que j'utilise pour enregistrer ma PS4. Et donc si on retourne sur le... Oh, je suis grave con. Si on retourne l'écran donc sur le logiciel, bah du coup ça fait que le gameplay il est à l'envers. Et juste avant de rentrer dans cette partie, j'ai essayé de faire une partie réellement à l'envers. Ah c'est impossible. Parce que bah déjà t'as le décalage d'XSplit, mais ça encore c'est pas hyper gênant. Mais c'est impossible, genre il y a tout qui est inversé. Et t'as genre aucun repère, c'est clairement injouable. Du coup j'ai fait je fais une partie normale juste en enregistrant à l'envers. Et puis comme ça ça vous montre un petit peu, c'est déjà pas mal on va dire. Alors pour faire une double assez sympa là, là. Toi t'es mauvais. Chou là. Ah oh, putain. Y'a des mecs pas trop mauvais dans la game mais... Déjà ça fait 3-4 games que je fais là et je sais pas, je tombe que dans des games commencés, des mecs un peu forts et tout, je vous avoue que c'est un petit peu saoulant. En tout cas je vous invite vraiment à lâcher un petit pouce bleu les gars si ce genre de... Je peux pas appeler ça un défi mais... Si cette vidéo vous plaît parce que là pour le coup on peut pas dire que c'est quelque chose qui... Qui change pas, qui est assez répétitif et tout parce que... C'est quelque chose que j'ai jamais vu sur YouTube personnellement. Putain, et 17, y'a un mec qui me colle au cul, sérieux. Faut que j'arrive à prendre un peu d'avance. T'imagines, je perds en live? Non, c'est fou. Non, c'est mort, gros. Oh putain, 24, 22. Hey, je suis en stress, les gars, je parle plus. T'es fou, je veux pas perdre. Contre un random comme ça, la amnésie, je sais pas quoi. Non, t'es fou. Ouah. Ok, il est monté. Ouah, je suis claqué. Je stresse pour une victoire, gros. C'est chaud. Quelle honte. Oh, c'est honteux le gameplay que je vous propose. Oh putain, je vais me refaire turn encore. Oh sa mère. Ah, il arrache quitte. Regardez ça, ce petit PD là. Bref. En tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme ça, vous avez pu voir un petit peu comment ça fait Black Ops 3 à l'envers. Et vous avez vu que bah, on a clairement aucun repère. Il n'y a rien qui est pareil. Limite, on reconnaît pas la map. Tu sais, quand j'ai joué, ça m'a fait un peu cet effet là. J'étais un peu choqué, tu vois. Et bah, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, comme je dis, si cette vidéo vous a plu. À vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon Twitter. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.